Aftarat Toledot Irréductible Alliance La seule base du choix de Dieu a été son amour et sa loyauté. C'est parce qu'il vous aime et tient le serment Faites à vos pères Deutéronome 78 Commission pontificale biblique Le peuple Juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne 2001 dans la parachette, toledote Rifka éprouve une préférence à l'égard de son fils Yaakov, Jacob, au détriment de Esav, Esaü. Voyez, Ehav, Itzhak, et Esav, Kitsaïd, Befiv, au Ohevet, et Yaakov. Et Isaac aimait Esaü, parce qu'il mettait du gibier dans sa bouche. Mais Rebecca préférait Jacob. Genèse 25, 28. Dans le texte de la Toledot, toledote à savoir quasiment l'intégralité du livre de Malachie, le dernier des livres prophétiques, c'est le Seigneur qui témoigne de son amour à l'égard de et amar Adonai Ah et va et Yaakov. Je vous ai pris en affection, dit l'Éternel. Vous répliquez En quoi? Nous as-tu témoigné ton amour Et n'est-il pas le frère de Jacob dit l'Éternel. Or j'ai aimé Jacob. Malachi 1, 2. Le texte de Haftara nous fait entendre la voix divine. Le dénominateur commun de ces versets réside dans l'absence d'explication qui justifierait cet amour. Car lorsque l'on aime, toute explication devient facultative l'on pourrait être tenté de croire après qu'Isaac ait octroyé ses bénédictions à Yaakov, que ce dernier en vienne à jouir de privilèges auprès de l'Éternel or la haftara révèle tout le contraire ben av ve'eved adonav, ve'im av ani haye ve'im adonim ani haye morai amar adonai le fils honore son père, l'esclave son maître. Si je suis un père, pour vous, où sont mes honneurs Si je suis un maître, où est la vénération qui m'est due? Ainsi vous parle l'Éternel des armées. À vous, ô Koanim, qui avez son nom. Et qui dit en quoi avons-nous avili ton nom? L'Éternel refuse les sacrifices offerts par les koanim qui trahissent leur vocation de gardiens fidèles de la flamme sacrée, de surcroît garant jaloux du culte divin. Eli hefetz bachem a Je n'ai aucun plaisir à vous voir, dit l'Éternel des armées l'offrande de votre main je ne la veux pas malachi indice. dans sa colère l'éternel va même jusqu'à menacer les coanimes de malédiction imlo tishmaou veimlo tasi'mu alalev latet kvod lishmi amar adonai tzevot veshilachti vachem et amehara veoroti et birhotekhem vegam arotiha qui est nechem samim alev. Si vous n'écoutez point, et si vous ne prenez pas à cœur de faire honneur à mon nom, dit l'Éternel des armées, je déchaînerai contre vous la malédiction, et je maudirai les biens dont je vous ai bénis. Oui, je les maudirai, car vous ne le prenez point à cœur. Malachi de Ce passage, dans lequel éclate la colère divine, enseigne que la bénédiction donnée à Jacob par son père Éttrac, Isaac, est conditionnée par la conduite d'Israël et de ses dirigeants spirituels. Ve'iten lecha mital Puisse-t-il t'enrichir, Jacob, le Seigneur, de la rosée des cieux et des sucs de la terre, d'une abondance de moissons et de vendanges. Genèse 27, 28. Pourquoi l'Éternel s'apprête-t-il à maudire cela même qui devrait être un exemple pour l'exemple de la nation hébraïque La tribu des Lévis porte en son sein, en vertu de l'alliance conclue avec l'Éternel, la vie et la paix, Malachi 2, 5. et, à ce titre, ne peut en aucune manière déroger à sa vocation spirituelle d'origine. Les sacrifices apportés par les Kohanim, issus des Lévis, ont pour dessein de conférer le pardon aux pécheurs et de préserver leur vie. Outre leur vocation de pardon, il incombe aux Lévis d'enseigner la Torah à l'ensemble du peuple d'Israël, enseignement menant à la paix. Le déclin moral et cultuel des Kohanim, pilier d'une société équilibrée, menace d'entraîner la chute une grande partie des fils d'Israël. Ainsi, après avoir fustigé les Kohanim, l'Éternel se tourne vers les Judéens en les accusant d'avoir épousé des femmes étrangères, autrement dit des païennes. « yehuda, yehuda kodesh Adonai, asher Judas a trahi. Une abomination s'est perpétrée en Israël et à Jérusalem. Oui, Judas a profané ce qui est sacré devant l'Éternel, ce qui lui est cher. Il a épousé la fille d'un dieu étranger. Malachi 2.11 Épouser une païenne signifie alors épouser et embrasser ses divinités et enfreindre l'alliance conclue avec les patriarches. Aux liaisons interdites s'ajoute la répudiation violente et humiliante des épouses légitimes. Et voici un autre méfait de votre part. Vous êtes cause que l'autel du Seigneur est couvert de larmes, de pleurs et de sanglots. C'est bien que le Seigneur... Ne peut plus se complaire à vos offrandes, ni accepter de présents de votre main. Malachie 2,13. Le verset, pour expliquer le paroxysme de la douleur de ces femmes et de leur profonde humiliation, fait mention des cris et des larmes versées par celles-ci sur l'autel des sacrifices entendus et reçus par l'Éternel. Les sacrifices hypocrites offerts par les judéens n'ont alors plus leur place sur l'autel. Va'amartem, Alma, Adonai, Et vous dites, pourquoi cela Parce que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi. Elle, qui est ta compagne, la femme unie à toi par une alliance. Malachi 2.14 Trahir la femme de sa jeunesse et de sa famille, c'est trahir l'alliance divine. Ce passage de haftara fait écho à la parashat toledod au cours duquel la matriarche Rivka, Rebecca, s'adresse à son époux Isaac, afin de lui faire part de son inquiétude relative à la menace guettant leur fils Jacob, susceptible d'épouser des païennes. Genèse 27.46 Rivka Connaissant l'hostilité d'Itsraël relative aux liaisons étrangères, réussit à réaliser son dessein en contraignant son époux à réagir immédiatement. Et Isaac appela Jacob et le bénit, puis lui fit cette recommandation Ne prends pas femme parmi les filles de Canaan. Genèse 28.1 Le mot-clé de la Haftara, bérite, alliance, constitue le cœur même de la Haftara. L'Éternel exprime toute sa déception face à l'attitude de son peuple, plus particulièrement celle des Koanim, issus de la tribu des Lévi, le quatrième fils de Yaakov, Jacob. Celui qui rétablira l'alliance est le messager de l'Éternel, Malachi, mon messager. Hinneni, Sholeach, Malachi, Ufinaderrech, Lefanaï, Ufitom, Yavo El Echalo, aton Acher, Atem, Mebakshim, Umalach, Aberit, Acher, Atem, Hafitsim, Hinne, Va, Amar Adonai, Tsevaod. Voici, je vais envoyer mon messager, pour qu'il déblaye la route devant moi. Soudain, il entrera dans son sanctuaire, le maître dont vous souhaitez la venue, le messager de l'alliance que vous appelez de vos voeux. Le voici qui vient, dit l'Éternel des armées. Malachi 3.1. Rabbi Lord Jonathan Zachs enseigne. Ce n'est pas non plus que l'alliance de Dieu avec les enfants d'Israël signifie qu'ils sont plus justes que les autres. Malachi, le dernier des prophètes, a des mots frappants à dire à ce sujet. D'où le soleil se lève jusqu'à son coucher. Mon nom est honoré parmi les nations, et partout l'encens et la pure oblation sont offerts à mon nom, car mon nom est honoré parmi les nations, dit l'Éternel des Armées. Mais vous le profanez. Malachi 1, 11, 12 A people that dwells alone. Balak 5777. L'on peut avancer à la lueur de la haftara, et en l'absence de raisons explicites, expliquant a priori le choix de Rivka, se portant sur son fils Yaakov, qu'elle comprit que ce dernier serait le fidèle continuateur de son père Abraham. Yaakov, comme Abraham, communique avec le divin. Cet amour s'inscrit dans le cadre de l'édification future d'Israël. De la même manière que l'Éternel demande au patriarche Avraham d'être Tamim, parfait et irréprochable, Genèse 17:1. Yaakov, quant à lui, est appelé Tam, Genèse 25, 27, dont la signification est à rapprocher de celle de son grand-père, son père spirituel. Alors qu'Esaü, comme avant lui Ishmaël, a épousé des femmes étrangères, mettant en danger l'alliance divine, Yaakov, en somme, est celui des deux frères qui poursuivra l'alliance divine conclue avec Abraham, et même si parfois ses enfants, s'avèrent rebelles à leur vocation, l'alliance conclue avec Israël ne peut être récusée. Qui Vegevaot, Temutena, Amar, Que les montagnes chancellent, que les collines s'ébranlent, ma tendresse pour toi ne chancellera pas, ni mon alliance de paix, ne sera ébranlé, dit celui qui t'aime, l'Éternel. Isaïe 54, 10. Todaraba, Shabbat Shalom, Chaim Wisman